Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 411, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur sur la timeline Holo Realization. Donc on est parti sur la suite avec le deuxième DLC qui est sorti donc hier. Enfin aujourd'hui je veux dire, mais quand vous aurez vu la vidéo, il était sorti hier. Du coup, on va faire cette petite découverte. J'ai déjà fait un live en fait le soir, donc il y a quelques heures de ça en fait. Et ce que je vais vous faire, c'est que je vais faire un peu comme dans le premier DLC que j'ai fait avant. C'est-à-dire, quand il y aura des trucs à chercher, des quêtes, machin, des clés et tout, je vous ferai une sorte de vidéo un peu résumée, je vous couperai toutes les scènes inutiles, et je vous mettrai tout ce qui est plus important, où il faut aller, parce que moi j'ai déjà fait donc tout ça dans le live, donc je sais un peu, parce que c'est vrai que j'ai quand même galéré, surtout pour un truc dans le live. Donc voilà, on est parti pour découvrir le début de cette cinématique, avec, je vous laisse quand même toutes les cinématiques en tout cas, y'a pas de soucis pour ça. これ。マジかよ。なんだよこのクエスト。ちゃ、素材アイテムくらい出せよ。使えねえな。時間無駄にしたわ。待てこら、逃げんな。 倒せばレアアイテムが出るって話なのによ。 Quelle bande de bâtards quand même, je te jure. Donc ça en fait c'est... Si je me plante pas, c'est Tia juste avant, voilà, c'est juste avant qu'elle pète un câble en fait. オッケー。アインクラッド創生による世界崩壊の危機以来、姿を消したティアを探すため、俺たちはアインクラッド攻略に乗り出した。アインクラッド中層付近で新たに解放されたフィールドを攻略中に、プレミアが突如倒れ、気を失う。そこに現れた仮面をつけたNPCは、プレミアに起きた事象をまるで知っているかのような言葉を残す。俺たちは情報を得るために、 そのNPCと再び会うことができたものの、そこで一つの真実を知ることとなる。NPCはプレミアとウリ二つの少女ティアへと姿を変える。ティアはこれ以上自分と関わりを持たないよう告げて再び姿を消してしまう。ティアに一体何が起きたのか、そしてこのままだとプレミアはどうなってしまうのか。 真相を知るであろうティアを追うため、俺たちはアインクラッドの攻略を進めることを決意した。 Bon, voilà un petit résumé du coup du premier DLC. J'allais dire, c'est quoi ce bug? クイル・ペルソン・ロブ・デ・マレーセ、もう昨日ログアウトした少し後なんでしょ。アインクラッドの新フィールドが見つかったのって。ええ、もう多くのプレイヤーが攻略を始めているみたい。新フィールド開放ともなれば飛びつかないプレイヤーはいないよ。それよりもそこにはティアちゃんも行ってるのかな。 目指している場所があるって言っていたからな。先へ進むために向かっているはずだ。
探し出して何が起きたのか話を聞かないと。その影響をプレミアも受けてしまっているわけだものね。このままじゃ二人がどうなっちゃうのかわからないからね。だけどあの仮面をつけた NPC がティアちゃんだったなんて驚いたよ。見た目が全然違いましたからね。背も大きくなってたし。その上仮面までつけて顔が見えないとなりゃ。でもなんで顔を隠してるんだろうな。遅くなってごめん。新フィールドの情報を集めてたら時間がかかっちゃって。お疲れ様、リズニー・エギル。次のフィールドへの道はしっかり調べてきたぜ。みんな、もう準備はできてるか？うん、バッチリ。はは、on est pareil。それじゃあ、いよいよ出発だね。プレミア、具合の方は大丈夫か？おかしなことが起きたら。はい、わかりました。はい、皆さん、攻略頑張ってください。それからプレミアさんもくれぐれも気をつけてください。 Ça me fait bizarre de voir Yui alors que dans l'autre jeu elle est plus là quoi. C'est excellent. よし、それじゃあ攻略に向かおう。ティアに会って彼女に何が起きたのか真相を確かめるんだ。 Ouais, sauf qu'après il restera encore un épisode pour savoir ce qui se passe du coup. Alors pour faire court, on a découvert un tas de zones inexplorées dans les ruines de Salvatos, ok. Oui, on m'a dit quelques étaient là-bas, dans les collines machin. Ça a l'air cool, jetons un œil à cette zone. Ok, donc là, ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est aller... Bon, comme vous voyez, je suis 103. Non, même 104 en fait. J'ai pu XP un petit peu, maintenant le niveau max c'est 120. Du coup, ce qu'il faut faire au tout début déjà, principalement, dans les ruines Salvatos, bon, déjà c'est obligatoire parce que c'est là que vous allez devoir commencer pour rejoindre la toute nouvelle zone de glace, qui est vraiment sympa en plus. Du coup, ce que je ferai, c'est que je ferai un live un peu tous les jours pour pouvoir avancer, et ensuite moi je ferai la rediffusion en... Enfin, c'est pas vraiment une rediffusion, puisque je refais carrément le truc sur deux sauvegardes en fait. Ce qui me permet de moi de refaire les choses bien avec ma qualité en 1080, parce que c'est vrai que quand je stream c'est dégueulasse. Donc, alors, au lieu de commencer comme vous voyez sur la mini-carte tout en bas à droite du coup, vous devez d'abord aller ici, c'est capital, sinon vous pourrez pas avancer après. Et vous allez donc parler à la déesse. Putain, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que cette couille? Non mais attends, oh. Hein, bon. Voilà, donc voilà. Ici, il va y avoir un petit événement, et ça va être capital pour la suite. Ok. Ok, tu as bien fait de venir, je t'en prie de bien vouloir m'écouter. Un grand ennemi... un grand ennemi que j'ai affronté il y a des siècles, et de retour sur ces terres, les apatrides sont ici, ok. Se sont déjà éparpillés aux quatre coins du monde. Au courant, c'est quoi les apatrides? Alors, comme tu l'as sûrement deviné, ils ne sont pas de ce monde. Les apatrides vivent dans une autre dimension, d'accord. Ce sont les serviteurs du chaos. Ils cherchent à corrompre tout le monde et à plonger dans la foi. Je t'en supplie, sauve cette terre, protège ce monde des apatrides. Ok, pas de soucis, merci Bravero. Les apatrides rôdent à la frontière entre l'existence et le néant. Cela ne les rend invisibles à une nuit. Voilà, c'est pour ça que je vous demande, enfin pas que je vous demande, mais que je vous conseille d'aller là, ici avant. Parce que de toute façon, quand vous allez être bloqué, vous allez devoir obligatoirement revenir ici. Toutefois, j'étais accordé le pouvoir de voir les agents dissimulés, donc ça, du chaos. En gros, voilà, ça pourra détecter les personnes invisibles. Grâce à ce nouveau pouvoir, tu peux percer le voile qui cache le machin et leur faire voir payer leur crime, voilà. Donc, avec la compétence, je peux voir et attaquer les monstres interdimensionnels compris. De plus, tu pourras forcer
forger de nouveaux objets en fusionnant leur pouvoir du chaos de ces machins. Si tu trouves l'un des éléments du chaos comptant durant ces combats, rapporte-le-moi. Apportez toutes les graines de chaos que vous trouverez à la statue de la déesse. Ok, d'accord. Donc, je dois utiliser cette compétence pour trouver les monstres invisibles, les tuer et obtenir des matériaux. Ça a l'air marrant, alors essayez. Récolte invisible. Ça, je m'en fous, je sais ce que c'est maintenant. Ça, déjà, je vous jure que j'ai galéré pour trouver rien que la compétence. Parce qu'en fait, cette petite saloperie, il faut aller ici obligatoirement. Et elle se met que ici. Et pour vous galérer, j'ai essayé de chercher dans le truc de la compétence. Et c'est pas trouvé. Bon, du coup, on va pouvoir avancer maintenant le vrai DLC et trouver la nouvelle map. Ok, donc là, on est parti. On va pouvoir atteindre la nouvelle zone, les gars.新しく発見されたフィールドへ続く道。道って言っても、フィールドが崩れてできたがれきの道だけどね。未完成のアインクラッドだから、こんなことが起きているのよね。なあ、もし完成していたら、迷宮区を通って行き来していただろうな。行き方はどうあれ、新フィールドには違いないわ。どんな場所なのかしら。 やっぱ簡単に攻略できるような場所じゃないよね。でも、ティアちゃんを探し出すためにも進まないとですよ。ティアちゃん、プレミアちゃんに起きている異常があの子にも起きているんだよね。ああ。苦しそうにしながら、それでも先に進もうと必死だった。しかも、プレイヤーの人たちにもレアモブなんて呼ばれて 狙われていますし。そんな危険な状態で、一人でどこに向かって何をしようとしているんだろう。可能性がある場所。そこへ向かって、それを断ち切るって言って、断ち切りたい可能性っていうのは何なのか。可能性っていうのは、いくつも選択肢があって、自分で変えていくものだと思うんだけど。 これ以上のことは本人に聞いてみないことにはわからないわね。私はみんなに出会ったことで可能性が広がりました。もしティアがその広がりを持てないのでいるなら、私は力になりたい。そうだね。そのためにもティアちゃんを見つけてあげよう。はい。本来はプレミアと同じ設定のない NPC だったティア。それがプレイヤーたちの影響を受け、 思いを重ねた結果、人を拒絶するようになってしまった。さらに今、異常な現象が彼女を苦しめている。みんな、準備はいいか？ティアに会うために、新フィールドへ乗り込もう。 Du coup, ce que je sais, c'est aussi que dans le troisième DLC, on aura aussi l'apparition de deux nouveaux personnages qui sont dans la suite, donc dans la saison 3 de SAO. Donc ça sera plutôt sympa, je sais pas quand est-ce qu'il sort non plus, hein. Celui-là, c'est un abonné qui m'a prévenu, donc pour ce DLC. J'étais pas au courant qu'il devait sortir, bon après j'aurais vu la mise à jour, donc je m'y serais pris un peu plus tard, mais en tout cas voilà. Alors, génial la neige de la glace, cet endroit m'a l'air merveilleux. Regarde par là, la carte s'étend un peu, d'accord. Oh, la vue doit être magnifique, ouais, franchement sympa. Ok, allons-y. Ça, c'est sympa. C'est blanc, il s'agit d'un étendue blanche, et bien moi je trouve que c'est magnifique. Nous devons rester prudents, qui sait ce qui peut bien se cacher dans cette neige. C'est magnifique là, ça par contre. Oui, impossible que ce soit blanc, ou c'est tout fondra. Ne t'en fais pas premier, on va retrouver Tia, oui bien sûr. Allons explorer cette nouvelle zone pour voir si Tia s'y trouve. Bon, en tout cas, moi, je me balade en robe de mariée, quand même, dans une toute drap. Ça fait un peu bizarre, mais bon, je suis RZ Scarlett, hein, je n'ai peur de rien. Ok, donc, voilà la petite nouvelle zone. Bon, après, il n'y a pas à dire. Franchement, c'est vraiment joli, sans déconner. Par rapport à Axel World, c'est quand même un peu plus joli, je pense qu'on peut, tous le dire. Ce mammouth, il est immense. Tu dégages. Bon, alors, du coup, ce qu'il faut faire, c'est maintenant aller tout à gauche. Forcément, hein. C'est pas là qu'est le plus compliqué.
Bon, de toute façon, ça sert à rien que je prenne les coffres et tout, étant donné que ça ne me donne presque pas de stuff. Et puis que j'ai le stuff modé, donc... なかなか見つからないわね。はい、向こう側も見てきます。オッケー、一緒に行きましょう。ティアちゃんってプレイヤーたちの間でも噂になっているんだよね。神出鬼没なレアキャラとしてな。普通の人からしてみればプレイヤーに混じって攻略を進めるNPCなんて特殊な。その結果 倒せばレアアイテムが出るなんていう荒ぬ噂が流れてる。そうだといいなっていう話が巡り巡って今言ったような噂になるんだと思うよ。人は自分の都合のいいように話を聞いてしまうものだものね。プレミア！何かあったんで行きましょう。リズ、プレミア！ 突然苦しみ出して。またあの異常が起きたみたい。大丈夫か？どうする？町に戻りましょうか？平気です。プレミアちゃん。心配ですね。今回も何の前触れもなく具合が悪くなったみたいですし。 大丈夫か？はい。プレミア、前と同じように何かを感じたりしなかったか？また寂しく悲しいという思いが私に、その他のことは分かりません。謝らなくても大丈夫だよ。それにしてもプレミアちゃんに干渉してくる思いっていうのは誰かの思いってことなのかな？ 誰かの思いか。一体何が起きているのか、早く原因を知りたいところね。この先だ！イカサラミさんがレアモブを見かけたんだってよ！バランスブレーカーレベルの武器がドロップするんだろ！絶対倒す！ねえ、今の話って。ああ、ティアのことだ。 D'accord, ils ont trouvé Kia, ça je me rappelle. Prémia-chanが... Mondaï-ありません. Ikimashou. Watashi wa... Tia-ni-aitai-desu. Wakatta. Isoide-oikakeyo. Ok, donc là on va pouvoir se prendre une nouvelle zone encore. Par contre, je crois que j'ai... Ouais, j'ai oublié de sauvegarder le téléporteur, c'est pas grave. Je vais le faire dans la prochaine zone, je retournerai ici, c'est pas un souci. C'est juste à côté en plus. Donc, voilà, cette fois-ci, je le prends, on fait pas d'erreur. Donc, comme vous le voyez, en plus, il y a aussi des nouveaux monstres, ça aussi, c'est sympa. Bon, après, ils sont que 80, donc c'est pas terrible, puisque normalement, déjà, de base, c'est niveau 100, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire, déjà, ici? Alors, vous savez quoi? On va se taper contre le monstre, là-bas, oui. On va faire un peu de combat, j'ai pas envie de faire que de la cinématique, non plus. Et il y a un monstre épique. Ils sont stylés ces papillons. Ils sont bien jolis en fait. Hein. Les papillons optiques. Ah voilà, c'est... Le voilà, ce petit monstre. Ah non, c'est vrai qu'il y en a deux, pardon. Mais qu'est-ce que tu... Dégage toi. Ah, ils sont là. On va se mettre quelques petits boosts. Voilà. Coucou. Surtout que là, en plus, j'ai un truc qui m'enlève la défense entièrement. Voilà, suivant. Genre, il est mort, lui. Il est nul. Attends que l'autre aussi. Mais t'es sérieux? Ils ont été one-shot. Par ce petit bouseux. Hop. Voilà, ça c'est beau. Ça. Level up. Ah, ils ont level up. Bah c'est bon ça. Un coffre est apparu. Bon, le coffre il donne de la merde, hein. C'est même pas du légendaire.
Donc ils viennent de passer 104, voilà. Donc là on va pouvoir passer encore à la nouvelle zone. Et à la recherche du Tia du coup.間でもどうしよう。ティアちゃんの姿がないよ。ティア。話を聞いてみよう。はい。チャンスだと思ったのによ。もうこの辺りにはいなさそうだな。あの、すいません。すみません。 俺たちか？そう、僕、キュパーが、ここに走っていくのを見かけたんだけど。何が？レアモブだよ。仮面をつけたNPCって知ってるだろ？この辺りで見かけたって情報があったから急いで来たんだけど、逃げられたみたいでさ。どんだけレアキャラなんだって感じだよ。もう行こうぜ。はあ。とりあえずティアちゃんは無事みたいですね。 それにしても、あのレアモブって呼び方はどうにかならないのかしら。本当ですね。あれでまた興味を持つプレイヤーが増えちゃうと思います。全く持って嬉しくない注目のされ方よね。でもこれで一つはっきりしたことがあるわね。ティアもこのフィールドに来ている。なあ、きっとここでもプレイヤーに混じって 攻略を進めているはずだ。なら、私たちも攻略を進めるだけだね。早くティアちゃんに会って、何が起きているのか話を聞かないと。プレミアちゃんだけじゃなくて、ティアちゃんのためにも。そうだな。よし、攻略を続けよう。よし。Alors, du coup, donc là, voilà, on va prendre le téléporteur comme d'habitude. Bon, ça même si j'ai pas pris mon premier. Ça, c'est un truc que je prends maintenant, limite par réflexe. Ah oui, non, c'est vrai, il y en a pas. Par contre, ici, je sais pas pour vous, mais là, je trouve cette ambiance magnifique. C'est vrai que Axel World est plutôt joli, par contre, il est pas capable de rendre des dessins aussi jolis par rapport à ce jeu-là, qui est magnifique. Même au niveau des nuages, c'est vrai que Axel World, en même temps, là, Axel World, il a le niveau graphique du Lost Song, donc c'est le même moteur, que celui-là, il a été fait pour celui-là, je pense, mais c'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment stylé, ce petit pont là de glace là. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc là on a quoi, déjà 20 minutes de vidéo à peu près. Donc là je suis à peu près arrivé quasiment au même niveau que j'en étais au live, même si j'étais un petit peu après. Ok, j'ai mis clic. J'ai mis clic, c'est pas ça que je voulais faire. Donc oui, comme je disais, j'étais à peu près à ce niveau, j'en suis juste après à la zone. La zone juste après, donc c'est pas non plus... j'ai pas trop avancé comme un fou, hein. Voilà, tac. Comme je disais, du coup, je ferai un petit peu les lives, en fait. Je les avancerai petit à petit, et ensuite, moi, je les referai comme je fais maintenant. C'est pas que je rush, hein, mais c'est juste que je montre le plus de choses, en fait. Voilà, j'essaie de montrer le plus de choses en faisant le moins de vidéos possible pour éviter que 40 épisodes... Sinon, je sais à quel point ça peut être barbant à regarder, quoi. Surtout si je montre pas de contenu juste après, quoi. Voilà, donc voilà. Ça va être pour ça qu'il faut faire le truc que je vous avais dit avec la DS. Ok, alors salut, j'ai un conseil pour vous. Il faut trouver et éliminer le monstre spécial pour pouvoir aller plus loin. Mais apparemment, le monstre est invisible. Incroyable, non ? Je peux pas m'abattre contre les monstres invisibles. La compétence de la statue de Hadès pourrait peut-être peiner. Oh, je vois, tu as déjà appris la compétence nécessaire. Ça va me faire gagner du temps. Utilisons-la pour traquer les monstres et lui donner une bonne correction. Cela ouvrira la zone suivante. Merci pour l'info. Il n'y a pas de quoi. Allons chercher ce monstre de la quête invisible. Voilà, donc c'est exactement pour ça que je vous ai demandé de la prendre. Enfin, que je vous ai conseillé plutôt. D'accord, il faut que je teste cette nouvelle compétence et que je trouve ce monstre. D'accord, donc ça on s'en fout, ça je sais. Ah, comme vous voyez, le monstre est apparu juste ici, donc à la base on le voit pas du tout. Mais si vous utilisez la compétence, il brille. Et le truc c'est qu'au début, bon, je savais pas, en fait, il suffit de faire une compétence dans le vide pour pouvoir le toucher en fait. Bon, moi je le one-shot, mais
En gros, après, il y a un combat qui va se faire et le téléporteur va s'activer. Vous pourrez, comme ça, vous allez pouvoir traverser la zone et pouvoir continuer la zone. Donc, j'ai eu peur. Donc, dégage tout. Voilà. Alors, du coup, là, maintenant, on peut... Il y a plusieurs zones. Donc là, il y a celle de gauche. D'ailleurs, c'est ici que je farmerai pour passer 120. Alors, attendez. Je sais plus où est-ce que c'est, le monstre. Est-ce qu'il est là? Oui, là, voilà. Donc, vous pouvez le taper normalement comme ça, voilà. Et comme vous voyez, du coup, là, je vais pouvoir me téléporter dans une nouvelle zone. Et c'est une zone hardcore, hein. Quand ils disent hardcore, c'est une zone très haut niveau pour pouvoir level up en fait assez facilement. Moi, c'est dans ce genre de zone que je level up. Hein. Pour ceux qui demandent comment pouvoir P120 facilement, vous allez ici dans cette zone. Bon, en fait, ça fera comme une sorte de mini tuto que je suis en train de faire limite. Donc, pour ceux qui veulent passer 120, vous allez dans cette zone. Donc, c'est une zone hardcore, en gros, qu'ils appellent ça, de haut niveau, extrêmement puissant. Donc, avec un world boss à la fin. Donc, la zone est toute petite. Et ce que vous faites, c'est que vous y allez en normal, en mode solo. Et vous avez juste à buter le monstre, les mobs en fait, que vous voyez. Merde, attendez, j'ai pas pris le téléporteur, on va le prendre. Voilà. Et vous allez juste les buter pour que votre jauge d'XP monte. Une fois que c'est fait, vous activez la compétence qui est ici. La compétence, et vous allez avoir XP x 2... Combien que c'est? Ouais, vers... Allez, 2,5, un truc comme ça. Et en gros, vous allez pouvoir monter de level très rapidement. C'est comme ça que je suis monté 104 en même pas 10 minutes, un truc comme ça. Parce que ça monte pas beaucoup par rapport à l'XP, c'est genre 127 000, après ce sera 130 000. Il y a quoi, 3 000 de plus, ça fait 5 mobs de plus à tuer, c'est rien. Donc nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est l'autre côté en fait. Parce que c'est dans l'autre côté, parce que là du coup, c'est la direction du sous-sol. Ce côté, donc c'est la direction, le sous-sol, et en gros c'est là qu'il y a les monstres costauds. Vous pourrez farmer ici, parce que là en fait les monstres, comme vous voyez, sont 114. Je sais pas du tout si en cauchemardé ce que ça donne plus d'XP, hein. Je me rappelle pas que j'ai fait. Avec mon stuff, il y aura pas de soucis pour le faire. Donc, nous, on va aller de l'autre côté, en fait. L'autre côté, c'est pour monter à l'étage supérieur. Et en gros, c'est à l'étage supérieur que vous allez pouvoir continuer la quête, la suite de l'histoire. Heureusement que j'ai fait le live, hein, parce que tout à l'heure, j'ai galéré ici. Je vous l'avoue. Déjà, j'ai passé le mob, il était plus loin, le mob. Voilà, si j'ai oublié d'activer la compétence, je peux pas le faire. Voilà, il était bien là, c'est bien, je me rappelle. Voilà, donc, là, ça vous TP de l'autre côté pour monter à l'étage. Et en gros, c'est il faut monter le plus haut possible à chaque fois, en fait. Voilà, tac. Voilà, on continue la suite. Donc là, on monte à l'étage, tranquillement. On est déjà à 28 minutes, donc on va bientôt pouvoir terminer. Et ensuite, je continuerai ça dans le deuxième épisode. Hop, téléporteur. Et il faudra aller une fois encore plus haut, donc là il y a encore un étage à monter. Et casse-toi là, voilà. En gros, ouais, c'est comme une sorte de petit tuto que je vous fais, c'est plutôt sympa je trouve, comme ça, dans ce sens-là. Parce que là en fait, j'ai déjà découvert en live, je préfère le faire en live et ensuite refaire ça tranquillement. C'est plus sympa je pense pour le contenu de la vidéo après. Voilà, donc là on ressort en fait. Hop, téléporteur, on va pas oublier ça. Et du coup vous allez être bloqué, mais en fait vous êtes obligé de passer par là pour avoir une cinématique. Voilà, vous allez être bloqué ici avec un saut. どうやらこの先には進めないみたいです。キーアイテムを探してこなくちゃいけないのかも。問題はそれがどこで手に入るかなんですよね。 Ok, l'objet clé que j'ai besoin de donc se trouve dans un endroit important. Est-ce que j'ai vu un endroit comme ça quand je suis venu ici? Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que... On va s'arrêter ici sur cet épisode, sur le premier épisode. Je continuerai ça dans la suite, donc pour dans le prochain épisode, je vous montrerai où choper le truc. Donc, la première clé de cette porte.
Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Il va y avoir plusieurs cinématiques et tout. Et ensuite, du coup, ce qu'il y aura derrière la porte, je continuerai ça en live demain, du coup, puisque du coup, ce n'est pas un truc que je n'ai fait après. Je me suis arrêté juste derrière la porte. En tout cas, voilà. Donc, on va s'arrêter ici sur cet épisode, le premier épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit DLC, pour l'instant, si vous donne envie ou pas. On se retrouvera dans la petite suite. Lâchez-moi un petit commentaire, un petit pouce. Et bien sûr, si vous avez envie, à vous abonner, bien entendu. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Je vous dis donc, à plus tout le monde.